Ça, c'est mon gars, ça. Les persos d'arabe. Forcément, même son intro, c'est dans les éclairs et tout, hein. Ah, le charisme. Le charisme d'un homme. Cool, ça. Ça a plus rien à voir avec Street Fighter. Et le voilà, le tentative de Megali. Là, je crois. Ouais, c'est la scène où il va se transformer en Evil Ryu. Je suis presque sûr que. Voilà, je savais. Parce qu'on voyait pas la scène en entière dans l'intro, mais j'étais sûr que c'était l'idée de se transformer en Evil Ryu. Ah ouais, quand même. Mais en fait, déjà l'intro de base de Street Fighter, enfin de SF5, l'intro, donc pas la version complète qu'ils avaient posté déjà Capcom. J'adore l'OST de l'intro. Et j'aimais énormément l'intro en elle-même. Et ça fait que je la regardais déjà beaucoup de fois. Je l'ai spammé l'intro juste pour avoir la musique et tout. Et maintenant qu'ils ont sorti l'intro en complet, bon, déjà c'est super parce que je vais pouvoir avoir la musique complète. Mais l'intro en elle-même, elle est superbe. Genre, comparé à celle de SF4, enfin, c'est celle que je connais. Je connais celle de SF4 et SF3. Au début, je me disais que celle de SF4 était en fait plus longue que l'intro de Street 5. Et du coup, je pensais que c'était bizarre vu que je pensais que la version 30 secondes était la version finale en fait de l'intro. Et donc, avec celle-là, ben, en fait, tous les personnages du jeu. Dans l'intro, en tout cas, paraît super, genre super charismatique, super hype, quoi. Genre, je veux dire, Nash par exemple, c'est, enfin pas Nash, pardon. Ouais, Nash et Rachid, c'est deux persos qui m'intéressent pas spécialement, mais à voir en fait dans le trailer arrive à les rendre stylés, à donner envie quand même de connaître leur histoire ou de les jouer. Et ça, c'est super cool. Et après, bon, c'est le charisme de Bison quand même dans son entrée en scène est assez incroyable. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit, enfin. Bison, c'est déjà un perso charismatique, mais dans cette intro-là, je trouve qu'il est quand même à son apogée. Après, t'as Ryu sur la montagne qui s'entraîne. En plus, c'est une version de Ryu qui est très énervée. Genre, enfin, la version de SF4 de Ryu, c'est un Ryu calme, posé, réfléchi et tout. Cette version-là, c'est un Ryu qui a l'air vraiment très énervant, on sait pas trop pourquoi. Et du coup, enfin, rien que le voir et tout, ça te met un peu dans l'ambiance du truc, quoi. Après, il y a les fights qu'ils ont montrés où Vega se battait avec Dhalsim et Ermika se battait avec Laura. Je sais pas en fait si c'est des fights qui sont censés nous représenter comment dire, les persos et leurs rivaux.
Sur SF4, il y avait, enfin, sur tous les SF, il y a chaque personnage un rival. Ils ont des scènes d'entrée et des dialogues qui sont entre, enfin, qui interagissent entre eux. Et je sais pas si justement les combats qu'on a vus dans la dimension bizarre là sont du coup censés nous dire que Dhalsim c'est le rival de Vega et que Ryu c'est le rival de Nekali dans le jeu, ou alors si c'est juste qu'ils ont fait ça pour la mise en scène quoi. Après, t'as bien sûr le super fight entre Bison et Nash, du coup, ouais, Nash, voilà, qui est extraordinaire quand même. Tout est bien fait au niveau de l'animation, de la couleur, tout ça. Franchement, globalement, j'ai adoré le trailer et il me donne encore plus envie. Enfin, il me hype encore plus pour la sortie de Street 5 qui est dans 8 jours, il me semble. J'ai déjà précommandé le jeu sur PC, mais là, avec le trailer qu'on vient de voir, là, ça m'a donné envie de toucher un peu à tous les persos et d'avoir quand même leur histoire. Sachant que dans Street 5, il y a une histoire du jeu en plus de. En plus de la version arcade, hein, je crois. En tout cas, il y a une histoire du jeu qui a été annoncée en trailer aussi, donc voilà. Bon, je vais pas m'éterniser plus que ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je fais pas souvent des réactions, je pense que j'en ferai peut-être plus. Mais Street 5, c'est quand même un jeu que j'attendais énormément et j'avais envie d'avoir en fait la sauvegarde de la première fois que j'ai vu le trailer du jeu pour plus tard quand je voudrais revoir mes impressions quand j'ai vu le jeu avant sa sortie, quoi. Voilà. Donc, je vous dis à tous à la prochaine. Bye bye!